Auteur québécois, Christian Gay-Poliquin est né en 1982 à Saint-Armand. Son premier roman, Le fil des kilomètres, a été publié aux éditions La Peuplade en 2013, puis repris en France chez Phébus. Christian Gay-Poliquin prépare une thèse à l'Université du Québec à Montréal et à l'Université Champagne-Ardenne sur les enjeux du récit de chasse dans les arts narratifs au 20e siècle. Le coup de cœur de cette semaine est pour « Le poids de la neige » publié aux éditions La Peuplade en 2016, qui s'est mérité le prix littéraire des collégiens en 2017. Voici ce que deux membres du Club des Irrésistibles en ont dit. Dans une vieille maison, en retrait d'un village sans électricité, un vieil homme, Mathias, s'occupe d'un jeune homme accidenté qui lui a été confié juste avant l'hiver en échange de bois de chauffage, de vivres et surtout d'une place dans le convoi qui partira pour la ville au printemps. Il veut y rejoindre sa femme mourante. Emprisonnés par la neige, les deux individus tissent laborieusement leur complicité au gré des conversations. Par les rares visites de quelques-uns de ses habitants, les rumeurs du village pénètrent dans les méandres du décor. L'hiver pèse, la tension est palpable. Tiendront-ils le coup? Quelqu'un d'autre en a dit? Un auteur du Québec qui possède une maîtrise de l'écriture remarquable. Une histoire incroyable qui nous empoigne dès le départ. Une panne d'électricité, un village isolé, deux hommes coincés dans une maison éloignée du centre, le plus âgé ayant accepté, moyennant l'approvisionnement en nourriture et la promesse d'un départ, de soigner le jeune, blessé lors d'un accident. Un huis clos dense, entrecoupé de brèves interruptions de gens du village. Et la neige qui n'en finit plus d'envelopper, de recouvrir, d'isoler, d'emprisonner. La neige comme un personnage omniprésent. Une aventure formidable racontée avec brio. On ne sait pas ce qui s'est passé exactement et ne pas en parler ajoute au mystère présent tout au long du récit. Un exploit littéraire captivant, un jeune auteur plein de talent. Si vous désirez en savoir un petit peu plus sur ce livre en particulier ou sur d'autres titres, allez faire un tour sur le site des Irrésistibles à l'adresse suivante irrésistible au pluriel sans accent. bibliomontréal.com.